si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La Bible dit encore ceci. Dans le psaume, le psaume 66, le verset 16. Venez, écoutez, vous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes venus écouter ce que Dieu a fait à l'âme de Papa Léon Kasongo. Dieu l'a tiré de ténèbres pour le faire accéder à son admirable lumière. Nous n'écoutons pas ce témoignage pour être épatés par rapport à ce que le diable fait. Nous écoutons ce témoignage pour dire ceci. Même si le diable existe, même si les démons existent, mais celui qui se confie en Jésus-Christ aura toujours la victoire. Alors dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de contempler ta puissance, de contempler ta gloire au travers de ce que tu as fait dans la vie de Papa Léon. Que je ne voie pas le diable, mais que je te voie toi. Que je voie qu'au-delà de ce que le diable fait, le dernier mot appartient à Jésus. Élève ta voix. Parle à Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Tu es notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ce temps. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour t'écouter, Jésus. Nous sommes là pour t'écouter. Pour que tu nous parles, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, merci. Nous sommes là pour t'écouter. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, Jésus. Tu peux te mettre, bien-aimé. Au nom de Jésus. Nous voulons passer au témoignage. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Parce que Papa Léon combine les deux. Il applique vraiment Ésaïe 8, verset 20. La loi, et le témoignage. Alléluia. Amen. Alors nous demandons à tous ceux-là qui nous suivent, passant par les réseaux sociaux, de partager la vidéo, de liker, d'aimer la vidéo, de mettre de cœur rouge et des pouces bleus, question de protéger la vidéo. Alléluia. Amen. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu pendant qu'il monte pour prendre la parole. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes encore dans la joie parce que le Seigneur vient de nous accorder encore la grâce. Je bénis l'Éternel pour ta présence et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Sans tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Moi, je vais lire toujours dans notre livre de base, Ésaïe 9, dans son chapitre 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 6.
Qu'on nous prépare également Apocalypse 12, 1 à 6. Nous sommes tous debout pour respecter la constitution qui est la nôtre. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qu'on nous lise. Nous lisons la Bible dans Apocalypse 12, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Ayant cette étoile et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et l'enfantant un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y soit pendant 1260 jours. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour la parole? Acclamons bien la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est autour de ces versets que nous aurons à parler aujourd'hui. Si il faut intituler, aujourd'hui nous allons parler de l'autorité de l'Église. Parce que le Seigneur a doté à l'Église une autorité. Mais avant d'y arriver, nous allons commencer d'abord par le témoignage. Hier, on a commencé à parler par rapport à la sorcellerie. Nous allons continuer. Et si la grâce, soit si le temps est là, nous allons une fois introduire la magie catholique. Bien-aimés, nous commençons par l'initiation. Dans la sorcellerie, comme on l'a dit hier, il y a plusieurs manières d'initier quelqu'un dans la sorcellerie. La voie la plus courante, c'est de manger quelque chose et la suite, la chose se transforme à la force de la sorcellerie. Mais il y a aussi d'autres moyens. On peut te donner un cadeau, soit d'une veste, d'un mouchoir de tête. Une fois que tu l'appliques, automatiquement la puissance de la sorcellerie entre. Maintenant, pour devenir sorcellerie, la personne qui t'a initié ou qui t'a donné la nourriture ou l'objet viendra la nuit te chercher et t'amener dans leur monde. J'avais dit que la sorcellerie, c'est le monde mental. Je m'explique.
Dans la magie, moi j'allais avec ce corps dans le monde des ténèbres. Le monde des cimetières est réel. Le monde Armstrong, Tartarus, Pollyon, Astral, ce sont des mondes qui sont réels. Mais quand ton monde de la sorcellerie, c'est un monde mental. C'est-à-dire, ils peuvent se réunir dans un marché pour essayer leur monde. Quand ils se rassemblent là-bas, ça devient leur monde. Avec toutes les réalités qu'ils ont. Ils peuvent se réunir même sous un arbre. Même dans une salle de classe. Et pour eux, ça devient un monde. Et si vous lui posez la question, vous vous rencontrez où? Ils peuvent te dire que nous c'est au marché tel. Nous c'est sous cet arbre-là. Nous c'est à tel endroit. Donc, pendant la journée, c'est un marché ordinaire. Mais la nuit, ça devient un autre monde. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Moi, je n'étais pas initié par la nourriture, mais je suis allé voir une déesse. C'est appelé Mami Wata. Soit on l'appelle Mama Wata. C'est une déesse noire. Comme je dis l'autre fois, dans toute la magie, soit tout le temps que j'ai mis dans la magie, j'ai rencontré seulement un seul esprit noir. Cette déesse-là. Souvent, elle travaille plus dans l'Afrique centrale. Congo, Cameroun, Gabon. Elle est plus vénérée dans cet endroit. Et du côté aussi des Vaudous. Haïti. Elle est là-bas. Okiba aussi. Okiba et cette déesse m'a donné un mouchoir. Et ce mouchoir avait 33 articles. On aura le temps d'en parler à la seconde partie. Maintenant, parmi ces 33 articles, il y avait un article réservé à la sorcellerie. Ce mouchoir, j'étais déjà dans la sorcellerie. J'avais déjà la sorcellerie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, tout sorcier conscient doit avoir une antenne. Généralement, l'antenne, c'est un arbre. Et c'est pour cela, vous pouvez arriver dans une parcelle autrui comme locataire. Une fois vous coupez un arbre, ça peut te créer des problèmes jusqu'à telle enseigne qu'on t'a même de la maison. Peut-être le propriétaire d'arbre comme antenne. Alléluia. Amen. Et cette antenne-là, elle est antenne, permet tout simplement à rester à l'écoute avec son monde. Et tout sorcier conscient devrait aussi avoir un drapeau. Et par rapport à l'antenne, il peut planter un arbre, soit il peut prendre une tige là de balai qu'il va placer à un endroit où lui-même connaît, et au travers de cela il entre directement en communication avec son monde. Maintenant, par rapport au drapeau, c'est juste pour identifier à tout sorcier, dès que le sorcier passe, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, qu'il voit que ici il y a le nôtre. Et le drapeau permet aussi à d'autres sorciers d'entrer dans la parcelle et d'opérer librement parce qu'ils sont invités par leurs frères. C'est comme ça que ça se passe. Alors parlons un peu des endroits où on peut cacher la sorcellerie, soit où on cachait la sorcellerie. Pour les femmes, c'est dans le sang.
Si il ne cache pas la sorcellerie dans le sang, il va cacher ça dans le sein. Si il ne cache pas là-bas, il va mettre ça dans son appareil génétique. Soit sous les aisselles ici. Pour les hommes également, dans le sang, sur la poitrine, sur l'appareil génital et sous les aisselles. Ce sont les endroits qui cachent la sorcellerie. Et généralement, je m'amusais quand j'avais le mandat de combattre les églises. Et une fois que j'arrivais, je n'entrerai pas pressé dans l'église. Pourquoi? Parce que chaque jour, comme on le dit ici, n'est pas dimanche. Il y a les jours où, c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, que vous soyez les intercesseurs, que vous soyez choristes, interprètes, prédicateurs, modérateurs, nous devons bien le faire. Il faut se préparer davantage et en conséquence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, on perturbait les cultes par rapport aux choristes. On aura le temps d'en parler en détail. Alors, pendant que j'arrivais, je n'entrais pas directement dans l'église. J'étais d'abord à l'extérieur, tout en vérifiant le climat qui est à l'intérieur. Puisqu'à chaque fois que j'entrais brusquement, sans discerner ou sans contrôler, j'étais souvent dépouillé. Et il fallait encore retourner à la maison, faire des cérémonies et des cérémonies pour se recharger. Et c'est pour cela que je me mettais d'abord à l'extérieur, en train d'envoyer les flèches, en train d'envoyer le climat, les esprits. Maintenant, j'ai constaté que les sorciers qui étaient à l'intérieur, souvent quand la prière monte de dimension, la puissance de Dieu également monte. Maintenant, quand la puissance montait, je voyais les sorciers sortir. Et il allait déposer généralement leur sorcellerie, soit dans un arbre, soit à un endroit comme ça. Ils déposent la sorcellerie, ils entrent d'abord. Si le climat s'équilibre, c'est alors qu'ils vont sortir pour récupérer, venir maintenant travailler. Maintenant, moi, qu'est-ce que je faisais? Je les observais. Dès qu'ils vont enlever sa sorcellerie et mettre dans un arbre, moi je vais prendre cette sorcellerie et je vais la garder. Et après je vais voir la personne en train de sillonner ça et là. Pourquoi je ne la restitue pas? Si je ne lui donne pas, il aura des problèmes sérieux la nuit. Mais dans la sorcellerie, il faut se présenter chaque nuit. Il n'y a pas une raison pour dire que tu es malade ou non. Même si tu es agonisant, tu vas aller dans le monde des sorciers. Si tu ne pars pas, la suite c'est la punition. Mais pour nous, tu peux aller ou ne pas aller à l'église. On trouve ça normal. Peut-être tu ne pars pas à l'église tout simplement parce que tu es en train de suivre un film nivelas à la télé. Et c'est normal. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous assiste vraiment. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je me jouais de sorcier. Mais avant de restituer, j'ai posé des conditions. Et j'ai taxé même les amendes. Gloire au Seigneur. Ici, j'aimerais parler de voir des sorciers. Soit trois principes qui sont liés à la sorcellerie. Le premier principe, c'est la haine. Bien aimé, nous savons tous que dans les livres de 1 Jean, dans son chapitre 3, verset 15, la parole de Dieu déclare que celui qui est son frère est un meurtrier. Et vous savez bien qu'à un meurtrier, il n'y a pas de la vie en elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la haine
mène, Chuki, c'est une porte qui mène droit en enfer. Si tu as des gens que tu as haïs, sache que tout ce que tu es en train de faire ici, c'est rien. Parce que tu iras en enfer tout droit. C'est la parole du Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci. Notre Dieu est capable de tout. Parce qu'il est le tout puissant. Mais il est incapable sur un point. Alléluia. Amen. Ça complique, hein? Notre Dieu est incapable d'agir en dehors de sa parole. Quand il dit, celui qui est un meurtrier et tout meurtrier n'entrera pas. Toi qui es ton frère, tu n'entreras pas. Ici, j'aimerais encore souligner un autre élément. La Bible nous dit, dans la prière type, que, soit prière modèle que le Seigneur nous a laissé, dans cette prière, nous disons ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé. Si vous descendez là-bas, le Seigneur dit ceci. Akasemaïve. Celui qui ne pardonne pas à autrui, le Père ne lui pardonnera pas non plus Papa, ses péchés. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans l'église. Toutes leurs repentances sont caduques et nulles. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas arrivés au point de pardonner à quelqu'un. Bien-aimé, ce soir, ouvre ton cœur, la prison de ton cœur, libère tous les gens que tu as liés, pardonne, parce que le Seigneur ne te pardonnera pas si toi tu ne pardonnes pas, ne te justifie pas. Pour dire que tellement offensé, tellement causé du tort, Dieu ne regardera pas cela. C'est pour cela. Beaucoup iront en enfer. Juste pour ça. Tu as il est. La haine. Chuki. Un sorcier. Mouchawi. A la haine. Wekuna chuki. Deuxièmement. Nous t'appelons. La ténacité. 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 C'est-à-dire, si il tient, il ne peut pas relâcher. Est-ce que nous comprenons très bien? Et trois, la destruction. Surtout cette sorcellerie qui est la nôtre. Il est mis à ce on dit sur les balais. Alléluia. Amen. C'est une sorcellerie qui c'est à la destruction. Même si vous avez un sorcier dans votre maison, vous allez remarquer que les histoires n'avanceront pas. Peut-être c'est aujourd'hui c'est la télé. Après demain c'est le congélateur. Donc, tout simplement parce qu'il est là pour détruire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous aimerions parler sur les endroits où les sorts entrent. Je vous ai dit que la pratique des sorciers est appelée sortilège. C'est-à-dire les sorts. Jeter les maléfices. Il y a les endroits où les maléfices entrent. Le premier endroit, d'abord, les endroits où les sorts entrent, on les appelle les cavités astrales. Ici, sur la tête, là où, quand on était bébé, ça battait comme si on respirait là-bas. C'est là où les maléfices entrent. Soit sur les mains, encore moins sur les pieds. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a aussi certains démons qui ont une personnalité propre. C'est-à-dire, à lui seul, il peut causer des dégâts. Et
il y a d'autres qui travaillent en groupe de 7. Et ceux qui travaillent en groupe de 7, on les appelle les heptades. Donc ils ne peuvent pas t'attaquer seul. Il faudrait qu'ils se réunissent à 7 pour t'attaquer. Il y a aussi un autre groupe appelé Temi, soit sumérien ou jidine. Voilà, jidine. Ces esprits-là, il est mon peuple, ce sont des démons qui sont morts. Il est sacrifié à une mort violente. En d'autres termes, qui ont souffert de leur cérémonie funéraire. Ils habitent dans les enfers infernaux. Travaille en groupe de 9. Et généralement, ces esprits montent des enfers pour venir dans notre monde, pour qu'ils puissent tourmenter les gens. On les évoquait dans la magie appelée nécromancie. Parce que la magie catholique va ensemble avec la nécromancie et arriver à un certain niveau, s'emballe aussi la rose croix ainsi que le mystère de l'air. Bien aimé, dans cette magie catholique, il y a aussi un niveau. Vous devenez automatiquement franc-maçon. On va en parler. Gloire au Seigneur. Alors ces esprits nous étaient recommandés de ne pas plus les appeler, les évoquer. Tout simplement parce qu'à chaque fois que les gens les évoquent, on les évoque souvent pour causer la folie, soit la mort. Voilà kifu. Et n'entre pas par les cavités normales. Voilà cavité à connaître. Ces esprits entrent par les oreilles. Donc les oreilles, mashkiyo, c'est aussi une cavité. Non, une cavité. Maintenant, ça. Quand vous les appelez, ils ont toujours tendance de se retourner contre celui qui les a appelés. Il n'aura pas nani à courir pour et c'est pour cela on nous a recommandé de ne pas de changer évoqué souvent. Mais si tu vois que pour que cette personne puisse attraper immédiatement, soit la mort immédiate, il serait mieux que vous les appelez parce que eux, ce sont des patrouilleurs exécuteurs. Ils vont chercher la personne partout où la personne va se retrouver. Et eux n'attendent pas. Dès qu'ils s'introduisent, directement la folie commence. Dès qu'ils s'introduisent, automatiquement c'est la mort. Et c'est ça, cette catégorie-là de ces démons-là. Bien aimé dans le Seigneur. Mais avant que l'aura, et plutôt avant que le sort puisse s'introduire, soit envoyer le sort, on observait d'abord l'aura de la personne. Parce que chaque personne a l'aura. Et au travers de l'aura, c'est là où on parlera peut-être de l'éther. J'anticipe quand même. Et si vous regardez dans un cimetière, souvent la nuit, vous allez remarquer que c'est comme s'il y a des flammes qui sortent des tombeaux. C'est l'aura, soit l'éther. Amen, amen. Amen. Parce que quand un corps est décédé, soit la personne est morte, après 3 jours, généralement, oui, ça arrive même jour. Cette aura-là quitte maintenant le tombeau. Et c'est ce qui fait cette flamme-là. Et alors, un homme normal a un aura blanc, soit un aura bleu. Maintenant, avant de jeter le sort, moi je vais évoquer. Après avoir évoqué, je vais faire appel à cette personne que je vais jeter le sort. Je vais l'appeler par son nom 3 fois. Et quand la personne va apparaître,
Je vais faire de sorte que je puisse étouffer d'abord son aura. Quand je vais toucher son aura, l'aura aura tendance de changer. Et que l'aura va quitter sa couleur initiale pour prendre la couleur rouge. C'est alors que je vais maintenant lancer le sort. Et là, je suis sûr que le sort va l'atteindre. Maintenant, comme je dis, le sort, soit le fétiche, n'a aucune puissance, n'a aucun pouvoir. Mais ce sont les esprits qui accompagnent le sort. Ce sont les esprits qui entrent au travers de ces fétiches et commencent maintenant à opérer dans la vie de ces derniers. Gloire au Seigneur. Les sorciers arrivaient à un certain niveau, ils ont le pouvoir de transformation. Du grec appelé métaphore vos. Donc c'est prendre une forme qui n'est pas la forme initiale. Donc ça m'appelle Alan Aizukumungisha. C'est pour cela. Moi, je prenais soit la forme d'un squelette, soit la forme d'un chat. Il y a d'autres qui prennent la forme de chien. La forme de chien, souvent, c'est pour cacher la vie. Donc, un sorcier trouve qu'il est menacé par rapport à son club, ou à d'autres sorciers. Il va prendre son pouvoir et mettre ça dans le chien, sa vie dans le chien. Et vous verrez que c'est un chien normal, mais en réalité, c'est sa vie qui est dedans. D'autres prennent même sa vie pour mettre dans un arbre. Une fois l'arbre tombé, la personne meurt. Et si vous lancez même une pierre à ce chien-là. Si c'est l'œil qui est crevé, la personne aussi aura l'œil crevé. Et c'est pour cela que vous allez remarquer, dans d'autres familles ou maisons, les propriétaires, soit des chiens, soit d'un chat, il ne veut pas que personne ne touche à son chien ou à son chat. Tout simplement parce qu'il sait que c'est lui. C'est l'autre lui. Alléluia. Maintenant, pourquoi moi j'avais préféré cette transformation à un chat? Parce qu'un chat a double vie, soit double vision. Un chat voit le spirituel et le physique. Et c'est pour cela que j'avais préféré cette forme-là. Et puis il y a aussi, on utilisait les formes des rats. Donc je pouvais aussi me transformer en un rat. Et généralement, quand je me transforme dans cette forme-là, un, c'est pour voler. Je peux entrer dans ta maison. Je vole un peu de farine. En réalité, quand je vais arriver à la maison, cette farine-là ne sera pas le peu que j'ai volé. Ça sera presque une quantité suffisante. Et vous allez remarquer que généralement, tu fais avec un sac une semaine, par exemple. Mais tu achètes le sac. Deux jours après, le troisième jour, le sac est fini. Tu peux même accuser tes enfants pour dire qu'ils sont en train de soutirer pour donner soit à certaines personnes, mais en réalité, j'ai volé ça. Et aussi, j'utilisais cette forme-là pour sucer le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour sucer le sang. Parce que dans la sorcellerie, on avait besoin du sang. Parce que le sang nous permettait à nous renforcer. Et encore moins, le sang servait au carburant de nos avions. Et les avions en question, c'est soit les balais, soit les malaxés, soit les pilons.
C'est ça l'avion. Mais imaginez un peu. Est-ce que cet avion-là a besoin du sang pour décoller? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc un sorcier est assoiffé du sang. Et cette forme de rat, nous allons y retourner par rapport au carburant. Et en forme de rat, j'utilisais aussi cette forme pour faire, pour installer un esprit de contrôle. Si j'avais une mission de bien te connaître, tes projets, je pouvais me transformer sur cette forme-là. Pendant que vous êtes en train de prendre des projets, d'élaborer les projets, je donne juste un exemple. Que l'argent que nous avons, nous aurons à construire, nous aurons à faire ceci, cela, cela. Moi, je serai à l'écoute. Maintenant, quand je vais aller dans le monde-là, je vais accuser. Puisque la force de la sorcellerie, encore une fois, c'est l'accusation. Et alors quand je vais accuser, on va combattre maintenant ces projets. On va frapper la maladie, soit créer un problème qui fera en sorte que tu puisses plus dépenser afin que le projet puisse échouer. Gloire au Seigneur. Il y avait aussi une forme d'un oiseau. Mais là, c'est la forme la plus dangereuse. Et il était même demandé de ne pas vouloir se transformer plus en oiseau. Parce que c'était réservé à une catégorie de fulani. Gloire au Seigneur. Et j'ai parlé de l'accusation. Dans le monde de la sorcellerie, j'utilisais plus les esprits appelés Kennedy. Ce sont les esprits accusateurs. Ces esprits accusateurs, ils se présentent souvent sous forme de serpents. C'est ainsi que généralement, tout sorcier averti a un serpent. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout sorcier averti, généralement, a un serpent. Et c'est ce serpent-là qui lui donne la force d'accuser. Moi, je faisais ceci. Avant d'y arriver, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 10. La Bible dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc le diable, soit dans l'ensemble de la puissance satanique, il brandit l'accusation. Et cette accusation peut être vraie ou fausse, mais il faudrait quand même accuser pour avoir les ressources. C'est pour cela que la Bible nous dit: la malédiction sans cause est nul aïna et sans effet. Na uwezo. Maintenant, si on t'accuse et qu'on te trouve, c'est pour cela la Bible dit: vaut mieux qu'on parle mal de vous et qu'on ne vous trouve pas dans ce mal-là. Une fois trouvé, le maléfice va t'atteindre. Est-ce que nous comprenons notre vie? Et ici, nous allons comprendre que le diable travaille jour et nuit. On ensorcelle jour et nuit. Il n'y a pas un temps. Sauf que il y a des heures pointes. Une fois arrivé à 18h pile, il y a un sifflet qui se fait
entendre utasikia à partir du désert de Kalahari. Depuis mon désert Kalahana. Et tout sorcier initié. Na mlozi la kungia. C'est-à-dire conscient et du sang. Nous sommes là pour yon en dernier dame. Entend cela. Atasikia il. À partir de 18 heures. Et il entre directement en contact avec son monde à lui. Il n'engia mumunuta na dunia ilengine. Encore une fois, je dis. Na mwenengine minasema. Les sorciers. Bachawi. Travaillent. Batumika. Dans des clubs de sorciers. Mukinkunja blozi. Vous pouvez être dans une même maison. Quatre sorciers. Mais vous ne vous retrouvez pas dans un même club. Celui-ci part. L'autre part à un tel endroit. L'autre à un endroit. Tout simplement parce que. Peut-être moi je n'étais pas initié dans votre clan. Soit club de sorciers. Alors je vais aller là où on m'avait initié. Et c'est pour cela que la personne peut être initiée au Kasai par exemple. Et il arrive ici. Pendant les heures d'aller là, dans leur monde, il doit quitter ici pour aller au Kasai. Après avoir ensorcelé, il va rentrer encore. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, bien aimé, il y a des heures pointes. Telle que je vous ai dit. Maintenant, moi, ça, ça mis, à 18h, quand j'entendais cela, comme là, il est, et que j'avais une personne que je devrais jeter le sort. À cette heure-là, je faisais un cercle. C'est un pentacle. Et après, je faisais un croix à l'intérieur du cercle. La croix catholique. Il est y a plusieurs croix kabbalistiques. On va en citer quelques-unes. Pendant qu'on parlera de la magie sainte. Et alors, je faisais ces croix-là. Maintenant, au milieu de la croix, je creusais un petit trou. Je vais écrire le nom de la personne que je vais ensorceler. Et pendant que je vais écrire, je vais appeler ce nom trois fois. Je vais faire des accusations là-bas. Après avoir fait ces accusations, je vais maintenant plier les papiers et l'enterrer. Et après, je vais clôturer la cérémonie. Maintenant, une fois arrivé à 20h, tout sorcier commence à ensorceler dans le monde réel. De 20h à 23h. Tout sorcier ensorcelle. Gloire au Seigneur. Arrivé à 23h. C'est alors que tout sorcier rejoint son monde. Et quand nous arrivons maintenant dans le monde là des sorciers, il y a l'hierarchie. Généralement, il y a un feu. Et sur lequel il y a une casserole à l'intérieur du sang en train de bouillir. Maintenant, chaque sorcier doit se présenter devant cette casserole-là. Parlons de marmite, puisque c'est plus grand. Alors devant cette marmite là, il va commencer Atanja à faire son rapport. Le premier rapport, c'est un rapport aux membres de sa propre famille. Atanja. Et il va commencer à présenter, voilà mon grand frère, il fait ceci, il prospère, il fait cela, il a tel autre projet. Et c'est là où même tu peux me donner de l'argent. Moi, je prends cet argent. Je me présente. Je dis, voilà mon frère. M'a donné même l'argent. Voici son argent. On va maintenant me poser la question. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je veux qu'au travers de cet argent, que nous puissions lier ses finances. Et là-bas, au Tchanda. Ça s'appelle Tchanda. Chez nous, on appelle Tchanda. Tu te tais à Tchanda. Le monde des sorciers. Et alors, là-bas,
On peut même creuser un trou, on enterre cet argent. Dans notre monde, je pouvais de moi-même le faire, le jeter dans les toilettes et prononcer les paroles. Dans le monde réel, le frère va connaître des blocages terribles au niveau de la finance. Je ne dis pas que vous ne puissiez pas donner aux gens. La Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Mais avant de donner, proclame certaines paroles par rapport à ce que tu veux donner. Ne donne pas pour donner. Parce qu'on ne se connaît pas ici. Nous nous gardons seulement l'apparence. Il n'y a que Dieu qui sonde et le cœur et le rein. N'oublie pas que la Bible nous dit le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout et contrit. Qui peut le connaître? C'est seulement Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Après avoir donné le rapport de sa propre famille, l'amitié. Tu donnes maintenant le rapport de tes amis. Notez l'ami, je vois qu'il est en train de prospérer. Donc, c'est ça la haine. Dieu n'a quoi tchouki. Donc ce qui marche, moi je ne suis pas content. Il a tempé. Quand ça ne marche pas, j'applaudis. C'était ça ma vie dans la sorcellerie. Et je vais donner le rapport de mon entourage. Après l'entourage, je prends maintenant les voisins. Et après les voisins, je prends l'avenir. Et je m'élimite par là. Et alors, c'est comme ça que ça se passe chaque jour. Est-ce que nous comprenons très bien? Nous, on peut entrer dans une prière de jeûne de 3 jours. Et après 3 jours, nous voilà dans nos oreillers, sur nos lits. Oh non, je viens du jeûne. Bien-aimé, après avoir jeûné, il faut prier encore. Après avoir beaucoup prié, prie encore. Et ne se fatigue pas. Chaque jour, même si tu, la femme est grosse, presque à terme, elle ne peut pas se justifier pour dire que non, je suis à terme et je ne viens pas. Tu vas venir. Ils ont besoin de ton rapport. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et chaque sorcier conscient et du sang, arrivé à un niveau, on lui donne une pilule appelée la pilule de stimulation. Cette pilule-là donne la capacité à un sorcier dans l'intelligence et raisonnement, l'avance de l'intelligence et l'avance des raisonnements. C'est pour cela, même dans les délivrances, bien aimé, il ne faut pas être pressé pour délivrer un sorcier. Même un petit enfant ici, il ne faut pas le minimiser. Parce que son intellect est tellement développé à telle enseigne que l'enfant peut même se jouer de vous. Et c'est la délivrance qui est compliquée. Parce que pendant que vous voulez délivrer un sorcier, automatiquement son club s'invite aussi. Et vous lui questionnez, lui aussi parle avec son club là. Il reçoit même les instructions. Aussi tu oses, on va te faire ceci, il les menace. Bien aimé, toi qui es sorcier, ne crains pas. On m'a menacé jusqu'aujourd'hui. Depuis 1997 jusqu'aujourd'hui, je suis là. Combien même il y a des combats, le Seigneur me délivre toujours. Gloire au Seigneur.
Il y a des services organisés dans la sorcellerie. Entre autres, les pilotes. Les pilotes sont chargés d'aller récupérer les sorciers. Mais il arrive à un niveau où un sorcier n'a pas besoin d'avoir un pilote. Il part de lui-même sans passer par l'entremise de quelqu'un d'autre. Mais généralement, les jeunes initiés, les services des pilotes aillent récupérer. Et on sortait comment? Dans la maison, s'il y a un moindre trou, soit une moindre fissure, c'est par là que je vais sortir. Est-ce que nous comprenons tout? Et quand je sors, je laisse le corps. Ici, ce n'est pas la projection astrale, encore moins le voyage astral. C'est là, dans la deuxième partie qu'on va parler de la projection astrale, soit le voyage astral. C'est une cérémonie à haut risque. Et celui qui fait plus de voyages astral, soit la projection astral, vieillit vite. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que telle personne était apparemment jeune. Et tout d'un coup, 2 ans, 3 ans après, il commence à refléter un visage d'un vieux. Et surtout s'il effectue des voyages astrales. Quand on fait un voyage astral, on est lié à un cordon appelé argent. Une fois ces cordons coupés, tu ne peux pas rentrer. Et une fois les corps déplacés, tu ne peux pas entrer. C'est pour cela, avant d'effectuer un voyage astral, on nous a demandé d'avoir ce chakra-là, la chambre secrète ou la chambre noire. Gloire au Seigneur. Mais le voyage des sorciers, ce n'est pas la projection astrale. Encore moins, ce n'est pas le voyage astral. Puisque vous pouvez même le bouger, même le déplacer le corps. Il va toujours rentrer. Mais le voyage, une fois le corps est touché ou déplacé, tu ne rentreras plus dans le corps. Et on va déclarer tout simplement la mort est enterrée. Et ton esprit reste là-bas. Comme étant un esprit errant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'était le service des pilotes. Passer ça et la récupérer. Il y a aussi un service chargé de la prison. Dans la sorcellerie, il y a la prison aussi. On peut te capturer. On te lit là-bas. On attend seulement les jours de te tuer. Et il y a un service pour ça. Les gardiens de la marchandise. Bon, pour eux, dans la sorcellerie, donc, les hommes, ce sont des marchandises. Et c'est pour cela même dans le marché, des sorciers vendent de la chair humaine. Vous pouvez aller, vous achetez une chèvre, mais en réalité, c'est la chair humaine. Bé, porc et consort, tout ça. Et il y a assez... Il y a d'autres sorciers. À la place de l'huile de palme, ils nous vendent du sang humain. Et c'est comme ça. À la place de l'huile de table, ils nous vendent des liquides sécrétés par un corps qui entre en petite fraction. À la place des cacahuètes, ils nous vendent de la matière fécale des chèvres et des moutons. Et c'est pour cela que la Bible nous dit de prier sans cesse. Quand on dit de prier sans cesse, ce n'est pas dire que de prier sans se reposer. Non, c'est pas ça. Tu veux aller au marché, prépare le chemin. Car la parole de Dieu dit, il est celui qui bénit notre arrivée et notre départ. Tu demandes au Seigneur de t'accompagner. Quand tu arrives devant
La chèvre qui est la chair humaine, tu vas sentir en toi le Saint-Esprit te dire, n'achète pas. Et tu te déplaces. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a aussi un service pour dépiécer. Ce n'est pas n'importe qui dépiece la personne. Ici, j'aimerais souligner aussi un point. Dans la sorcellerie, on ne mangeait pas la personne comme étant physique ici, donc en tant humain, non. Il fallait transformer la personne. Donc, on te tue, mais le jour de te manger, la personne qui t'a tué, on peut te tuer nous tous. C'est-à-dire qu'on a réuni notre pouvoir pour te tuer. Mais il y a seulement une personne qui t'a vendu. C'est cette personne-là qui va choisir. Non, moi je veux que je puisse le manger en porc. Et on fait les incantations, tu deviens porc. Maintenant la langue et le sang est réservé à la personne qui a livré. C'est celui qui va manger la langue. En d'autres termes, en mangeant la langue, la personne doit se taire pour ne plus parler spirituellement. Est-ce que nous comprenons? Que je m'explique autrement. La Bible dit ceci. Cain tue Abel. Encore Abel. Abel était mort. Abel a et c'était fini. Là qu'il chapale. Puisque quand quelqu'un est mort, comme toi Kafariki, donc il y a pas de souvenir. Alors, par rapport à notre monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ, nous a enseigné, nous a amené à une dimension. Pour dire que après la mort, il y a encore une autre vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit comment que le sang d'Abel criait vengeance, réclamait vengeance. C'est pour cela que le diable ordonne au sorcier de couper la langue pour que son sang ne puisse pas crier contre lui. Mais en réalité, le sang crie toujours. Gloire au Seigneur. La personne qui est chargée à dépiécer, tout simplement parce qu'il faut garder la peau. Et c'est la peau qui nous servait de tam-tam. La peau de la chair. Et si le tam-tam dans la sorcellerie retentit, ça dépasse même la peau de baleine qu'on met sur nos drums ici. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi un niveau où il faut avoir les yeux spirituels. Les yeux des sorciers. Mais pour les avoir, il faudrait passer par un sacrifice. On ouvre généralement les oreilles. Quand un sorcier entre, il peut faire même une semaine. On ouvre les oreilles pour qu'il puisse écouter le sifflet là et qu'il puisse communiquer. Mais il communique sans voix. Mais une fois qu'il va passer au sacrifice, c'est alors que ses yeux s'ouvriront. Il va commencer maintenant à voir et au même moment à écouter. Et c'est comme ça que ça se passe. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, lorsque on tuait, il fallait confirmer la mort au cimetière. Généralement, les sorciers ne tuent pas directement. Ils déplacent les souffles. Vous pouvez regarder le corps tout froid. Mais peut-être c'est ici qu'il est en train de respirer. Une fois vous allez enterrer, nous allons entrer au cimetière.
La personne qui a sacrifié, c'est celui qui sera devant. Il va prendre la poudre. Il va jeter sur la tombe. L'esprit va se réveiller. Et il va se tenir debout. Maintenant, nous allons l'encercler. Et c'est en ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, que vous allez réaliser que tel, tel, ce sont eux qui m'ont tué. Soit ce sont eux qui veulent me tuer. Il y avait même les gens qui plaidaient. Pourquoi vous voulez me tuer? Mais nous, ça ne faisait rien. Notre problème, c'était d'exécuter. À ce temps, je me rappelle d'une histoire. Un jour, j'étais allé dans le cimetière. Pendant que j'étais mandaté au cimetière. En entrant, j'avais vu un groupe, un club de sorciers. Ils ont réveillé un esprit. C'était une jolie dame. Et alors, la dame était encerclée. La dame pleurnichait là-bas. Un esprit m'a dit, mais j'ai pris utiliser mon pouvoir pour récupérer cette femme et la retourner. Et un autre esprit me dit tout de suite, si tu le fais, tu auras un problème sérieux avec tous les sorciers de ces lieux. Ils vont aller même t'accuser à tes chefs. Satan lui-même sera furieux contre toi. Parce que tu veux faire le travail de l'autre, donc de maître. Alors j'étais là. Du coup, je n'ai même pas continué. Je me suis retourné. Mais je ne sais pas pourquoi. Quand moi je le faisais, je n'avais pas la compassion. Mais arrivé ce jour-là, j'ai eu un peu pitié de cette femme-là. Mais quand même, elle était morte. Alors quand je vais jeter la poudre, l'esprit va se réveiller. Quand l'esprit va se réveiller, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer maintenant à jeter une autre poudre sur son visage. Quand je vais jeter, en prononçant certaines paroles, la personne va tomber. Dès que la personne va tomber, je vais maintenant traverser son corps. C'est ce que chez nous on appelle anamutambukia. Donc l'esprit ne peut plus se réveiller contre moi. Parce que j'ai marché sur lui. Si le monde des ténèbres savent un peu comment marcher sur la personne, à combien plus forte raison nous qu'on nous a donné le pouvoir de marcher. Mais généralement les chrétiens ne veulent pas marcher. De marcher, de faire un mouvement, de quitter un lieu par rapport à l'autre, marcher. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bon. Je vois que aujourd'hui on peut s'arrêter ici. Faute de temps, bien aimé. Parce que si je vais terminer la sorcellerie, on va arriver jusqu'à 19h. Et s'il faut encore exhorter jusqu'à 19h30. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc nous sommes dans l'obligation de respecter les temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, nous sommes dans le livre d'Apocalypse 12. Au premier jusqu'au sixième verset. Je vais parler lentement pour passer bien mon message. La Bible dit ceci. Des signes parurent dans le ciel. Le premier signe, c'était le signe d'une femme. Enveloppé du soleil. Et la lune était sous ses pieds. Elle est descendue. Le deuxième signe, c'était un dragon rouge. Quand on parle d'un dragon, c'est juste un serpent. Cracheur de feu. Un serpent cruel. Et par
par le serpent, nous voyons un, la séduction. Deux, la ruse. Trois, le venin. Quatre, le danger. Et cinq, le jugement. C'est ainsi que Dieu, quand il voulait juger Israël, il a envoyé les serpents pour les mordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Moïse, c'est à Moussa, a placé un autre serpent de rein. Il a suspendu l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc même les serpents, même les venins du dragon, les venins des sataniques ne peuvent rien quand on regarde à la croix, à l'œuvre de la croix. C'était l'ombre des choses à venir. Alors la Bible me dit ceci: le dessin était apparu dans le ciel et les deux sont descendus sur terre. En d'autres termes, le combat vita a commencé dans le ciel pour changer des amphithéâtres, amener ce combat là sur terre. Le diable a commencé le combat dans le ciel pour l'amener ici sur terre. Quand on parle du ciel, Samaïm, du grec Ousanos. Voilà, du grec Ousanos. Maintenant, dans la Bible, Samaïm, dans la Bible, Samaïm veut dire aussi Rajia. Donc, c'est matin Rajia. Donc, ce qui signifie infirmement. Donc, c'est matin Wakikisha. C'est pour cela qu'on ne peut pas définir l'endroit du ciel. Par rapport à nous, quand on regarde en haut, déjà on voit le ciel. Mais si vous arrivez dans la lune, planète lune, si vous regardez encore en haut, vous voyez la terre comme la lune. Maintenant, comment situer ça? Là, c'est le mystère de Dieu. Et nous devons comprendre que le ciel est pourvu de fenêtres, soit des écluses. Il n'a quoi qu'avec un fâche à Ganissa. Est pourvu même des piliers, des fondations, des constructions. Il n'a quoi qu'avec ma fâche à Kunyengea. L'abîme allemand. Bible Katse Maïve. Est pourvu de toutes ces choses. Il n'a quoi à Bunga Bintubioti. Donc, même tout ce que nous parlons. À tête ou Nassem. Oh, le monde Armstrong. Nous disons quoi? Oh, le séjour des morts. Nous n'avons pas de ceci. Il n'a eu. Dieu les a créés d'avance. Le diable n'a rien créé. Le diable fait qu'utiliser ce qu'il a trouvé. Il est incapable de créer même une fourmi. Il ne peut pas même créer un moustique. Il est incapable. Il utilise que les moustiques que Dieu a créés. Il utilise que les cafards que Dieu a créés pour en sorceller ou s'en servir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le diable a connu sa défaite à la croix de Golgotha. Dans ce passage, on nous présente les protagonistes du combat. On nous parle de la femme, de l'enfant, du dragon et le reste. Par la femme, on voit Israël et ces 12 couronnes-là qui représentent Israël. Israël. Et l'enfant, Namutoto, c'est Jésus. Namutoto. Quant au reste, il est Nabakia. Donc la femme, c'est Israël fidèle à Dieu. Maintenant, les étoiles. Ça peut être Batato. Soit les étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Maintenant, quand on reste, le reste représente le peuple juif et les croyants dans l'entièreté. Donc nous autres ici, nous sommes dans le reste. Et c'est les quatre
personnage qui entre dans ce combat ici. Donc, vouloir ou pas, tu es engagé dans ce combat. Combattre ou ne pas combattre, tu es dans. C'est pour cela qu'il faut s'y mettre pour combattre. Et quand bien même le diable a été vaincu à la croix, mais l'église subit encore les attaques du diable. Il invite Satan. L'église subit la persécution. Pardon. L'église subit les fausses doctrines. L'église subit les divisions internes. Et c'est ainsi que vous verrez, même dans une église de réveil, soi-disant de réveil, soit une église protestante, mais dans l'église, il y a des groupes, telle catégorie de chrétiens, aiment tel ancien, et d'autres aiment tel diacre, même parmi même les collèges, tel aime l'autre, tout simplement, parce que le diable veut contrarier la mission de l'église qui est d'aller et faire toutes les nations mes disciples. Quand parmi nous il y a des divisions, la Bible est claire pour ça. Une maison qui se divise contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. C'est ainsi que la puissance de l'église a diminué. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous n'avons pas à lutter contre la chair na mwili et le sang, voilà, dame, mais contre les dominations, les autorités, mawezaji, les principautés, les esprits méchants de l'air. Ces esprits méchants de l'air forment une force appelée la force cosmique. Et cette force cosmique, c'est la force qui combat la vie de prière et la réponse à nos prières, et combat aussi l'atmosphère. Et c'est ainsi qu'au petit matin, vous pouvez trouver quelqu'un en train de vous dire que j'ai de mauvaises humeurs. Je suis de mauvaise humeur. Comment tu peux être de mauvaise humeur? Tout simplement parce que ces esprits ont travaillé dans ta vie. Moi, je ne me réveille jamais na mauvaise humeur. Puisqu'avant que je me réveille, d'abord je vais prier. Une fois réveillé, avant de quitter la maison pour aller à l'extérieur, je prie. Même s'il y avait la mauvaise humeur, elle va se terminer pendant que je vais prier. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous épargne de beaucoup. C'est pratiquement un enseignement sur ça. Mais nous aurons le temps à y parler prochainement. Comme dans le livre des Psaumes 104, verset 19, la Bible dit ceci: il a fait la lune pour marquer le temps. Dieu a créé des grands illuminés, le soleil, pour guider le jour, la lune, pour présider la nuit. Quand on parle du jour, on voit le royaume des lumières. Quand on parle de nuit, on voit le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, si nous parlons, nous arrivons dans le livre de Psaumes 121, verset 6. La Bible nous dit ceci: pendant les jours, le soleil ne te frappera pas.
ni la lune voilà, mwezi, pendant la nuit. Voilà, et si ici on nous montre mais, que le soleil voilà, mwezi, a le pouvoir de frapper, ya kupika, en d'autres termes, mnamdengi, le royaume de Dieu mamum, frappe aussi le jour, na siku, le royaume des ténèbres mangisa, frappe aussi la nuit. Na mais toi, weye, en tant qu'église, kanisa, Dieu, Mungu, tu es couvert de la gloire de Jésus. C'est Jésus qui est le soleil de la justice. La femme épouse de Christ. Qui est l'église. Quand on a descendu du ciel. Quand on est descendu du ciel. On est couvert de la gloire de Jésus. Mais Dieu a mis le royaume des ténèbres sous nos pieds. Et c'est ce qui justifie cela. Bien aimé, nous nous combattons dans la victoire. Car le Seigneur a constamment vaincu le diable. Nous, nous combattons dans la victoire. Donc c'est notre assurance. Et de deux, nous savons même l'aboutissement du combat. Imaginez un peu. Pardon. Vous êtes sur un ring. Tu sais d'avance que tu vas... Tu seras gagnant. Tu sais d'avance que tu seras gagnant. Tu vas gagner. Même ce combat-là, tu vas le combattre avec beaucoup de galeries. Parce que tu sais que c'est toi le victorieux. Et c'est comme ça que nous devons entrer. Nous devons avoir l'idée en tête d'entrer dans ce combat. Au départ, nous sommes victorieux. Et nous combattons. Victoire. Parce que Christ l'a vaincu. C'est pour cela David a compris que Dieu a soumis tout le royaume des ténèbres sous les pieds de l'église. Et c'est ainsi qu'il dit en Psaume 8:5-6. Qu'est-ce l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Car tu l'as créé de paix inférieure à Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu t'a créé de paix inférieure à lui. Tu y es Dieu, Mungu, mais de paix inférieure à lui. Mungu, c'est-à-dire, Mungu, diable jetane, n'est pas Dieu. Jetane, mais Mungu, toi, waye, tu es Dieu, Mungu, mais de paix inférieure au Créateur. C'est cela David poursuit. Que tu as tout soumis dans les œuvres de tes mains. Dans les œuvres de tes mains. Tu les as tous soumis sous les pieds de l'homme. De en d'autres termes, même les anges, c'est les œuvres de la main de Dieu qui sont sous nos pieds à notre service. Même les anges de Dieu qui sont à notre service, nous, fils de l'homme, même le diable, Dieu l'a soumis sous nos pieds, le royaume sous nos pieds, la sorcellerie sous nos pieds, l'occultisme sous nos pieds, la magie sous nos pieds, l'incancard sous nos pieds, la flamaçon sous nos pieds, l'illuminati sous nos pieds. C'est pour cela que David pouvait dire en Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans ce sentier de la justice. À cause de son nom. Il dit encore. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Psaume 91, il dit ceci. Tu ne craindras
Tongopa. Ni le terreur de la nuit. Tenez la bouchiko. Le terreur du diable. Voilà pourquoi je t'aime. Le terreur de Satan. Voilà Satan. Tu ne craindras. Tongopa. Ni le terreur de la nuit. Tenez la bouchiko. Ni la flèche qui vole les jours. Voilà Nikuka Mujua. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Attends tes mains Mungiza. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Attends la piqua katika tegu. Que mille tombent à ton côté. Mille tangua kungambo nchoto. Ta droite. Voilà koume. Tu ne seras pas atteint. Mais le grand problème, bien-aimé, à toi, et à moi, de marcher, c'est le sens même. Ce que Dieu dit en Luc, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Dieu. Et rien ne pourra vous nuire. Ce soir, marche. Marche. Marche encore, sur le célibat, marche, sur la pauvreté, marche, sur la maladie, marche, sur la sorcellerie, marche, 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 au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Bwana bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons très bien le Seigneur. Oui, bien-aimé, nous avons vraiment beaucoup parlé sur la sorcellerie. Sur les œuvres de la sorcellerie. Et ne peut détruire les œuvres de la sorcellerie. Que la personne qui est dotée d'un pouvoir venant de Dieu. Et pour être dotée de ce pouvoir, il faut avoir la révélation sur ce que tu es. Il y a beaucoup de gens qui poussent des cris de joie. C'est très bien, ça montre que tu as la foi. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le résultat de ta prière. Quand tu pries, le tout n'est pas de prier comme tout le monde, mais le tout est de prier comme quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Le diable ne tremble pas devant n'importe qui, mais il tremble devant ceux-là qui ont la connaissance sur leur vraie nature. Nous allons juste prier par rapport à trois sujets. La première des choses, nous allons faire une prière d'engagement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prier, ce n'est pas un jeu. Prier, ce n'est pas une récitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui prie, premièrement, il doit communier avec Dieu. Quand quelqu'un prie, il doit sentir quelque chose de particulier en lui. Quelqu'un qui s'engage. Bien-aimé, quand vous regardez, vous suivez le témoignage, vous allez comprendre ensemble avec moi que ceux qui servent le diable dans le ténèbre, pour qu'ils arrivent à exercer une autorité ou un pouvoir, ils passent par l'engagement. Et quand on s'engage, c'est qu'on met le sérieux dans ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, quelqu'un qui passe son temps dans le cimetière, quelqu'un qui se concentre pour faire une projection astrale, quelqu'un qui peut faire une métamorphose pour changer, pour devenir un animal, ce n'est pas un jeu, c'est une concentration. Imagine-toi, celui qui t'a attaqué, il s'est engagé, il s'est concentré pour faire, il a fait l'étude sur ton aura, et à partir de ça, il est sûr que le sortilège qu'il a fait aura des effets. Et il faut que toi aussi, tu t'engages.
t'engages, que tu dises, Seigneur, ce soir, fini la récréation. Fini la récréation. Parce que si tu continues à blaguer, tu vas prier comme quelqu'un qui crie. Oh bien aimé, la prière de quelqu'un qui n'est pas engagé, c'est comme des bruits, c'est comme une abomination. Engage-toi. Prends, bien aimé, prends les choses au sérieux. Dis-toi ceci. Je ne suis pas venu pour écouter le témoignage comme un spectacle. Je suis venu écouter comment les œuvres du diable sont dévoilées et que je prenne une position conséquente afin de condamner tout ce que j'ai écouté et que cela produise un changement dans ma vie. Incline-toi en prière. Incline-toi en prière. Oui, bien-aimé, tu vas dire à Dieu. Certainement, ô Dieu de gloire. Ceux-là qui me font de la peine. Ceux-là qui dérangent ma vie. Ils se sont engagés. Ils ont fait des pactes. Ils ont fait des alliances. Et quand ils servent le diable, ils sont sûrs de ce qu'ils font, passant par leur engagement. Maintenant, ce soir, si ils se sont engagés avec Satan pour détruire, moi ce soir, je m'engage à marcher avec toi, avec tous les sérieux. Ce que je fais, tu es mon Dieu. Révèle-toi à moi. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de te sentir. J'ai besoin de palper ta puissance. J'ai besoin de vivre et de sentir que tu es là. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Élève ta voix. Commence à prier. Bien aimé, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Bien aimé, ce n'est pas un jeu. Tu as écouté ce bien. Mais priez pour détruire les choses, c'est mieux. Écoutez ce bien. Mais priez, c'est mieux. Voilà pourquoi. Au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas pitié de ta famille, aie pitié de toi-même. Regarde comment tu souffres. Regarde comment ta vie est détruite. Regarde comment les sorciers t'ont mis à genoux. Regarde comment ta santé est dérangée. Regarde comment, bien-aimé, ton ministère n'évolue pas. Regarde, bien-aimé, regarde comment ta vie est bloquée. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le ténèbre. Mais la Bible déclare, le ténèbre ne régneront pas pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, dis à Dieu, ce soir, je m'engage, au nom de Jésus, Seigneur, je m'engage.